Mille et trois femmes dans les bras de Don Juan en Espagne, combien en Italie, en France, en Allemagne. Alors, il paraît que l'opéra est réservé à une élite, et pourtant, quand on veut remplir un grand stade de foot, quand on veut sensibiliser le grand public aux qualités d'une voiture, d'un jambon, d'un parfum, quand on veut faire de l'audience autour de quelques tubes, eh bien, c'est aussi à Mozart, à Verdi, à Bizet que l'on fait appel. Alors, allons-y vraiment! à l'opéra tous à l'opéra c'est le mot d'ordre jusqu'à 9h ce matin sur france inter mot d'ordre d'une manifestation la septième du genre qui se tiendra en france et même dans toute l'europe ce week-end pour en parler pour parler de cet art lyrique qui rencontre parfois le grand public et parfois non un plateau de choix messieurs votre mission est de nous donner envie un chef d'orchestre et compositeur vedette international jérémy Roreur bonjour. bonjour merci beaucoup d'être en studio ce matin sur France inter un souvenir une émotion liée à l'opéra que ce soit à la baguette ou dans dans le fauteuil de spectateur oh, C'était il y a, je pense, mon plus grand souvenir, c'était il y a deux ans euh, lorsque je dirigeais Idoménée au Théâtre des Champs-Élysées. Stéphane Branchevêque avait mis en scène euh, une, une scène particulière du sacrifice entre un, un homme et, euh, et son fils. Idoménée devait tuer Idamante pour, pour expier euh, sa faute et on ne se, rend, se rendait pas compte de ce que ça allait générer dans le travail et au moment où ça se passait en scène, c'était tellement fort que les, euh, les larmes venaient dans la fosse, parce qu'il y, y avait un moment qu qui était complètement insaisissable de magie et qui, qui portait en, en dehors du monde. Et c'est vraiment, je pense que c'est ça qui se passe avec cet art magique de l'opéra. C'est un art très très difficile, mais en même temps, quand on, quand on arrive à trouver ce que, ce, ce, sa poésie, on est vraiment en dehors du monde. On est dans un monde de beauté qui est emplit de, de, de plénitude. Deuxième invité ce matin de France Inter, Serge Dornier, un homme qui a fait de l'opéra de Lyon un succès et un opéra populaire. Bonjour. Même question qu'à Jérémy Rohrer. Quel, quel souvenir, une émotion liée à l'opéra pour moi, c'est sans doute mon premier opéra. Je, très tard, euh, j'ai à l'âge de, de 16 ans, je vais à l'opéra. Euh, c'est pas, à pas si tard que ça. On en parlera. Oui, ah, <laughs> euh, si, euh, et euh, je vois les maîtres et chanteurs euh, de Wagner, à, à La Monnaie. Pour moi, peut-être pas un opéra tout de suite accessible, mais l'émotion, cette, cette, cette participation collective à une même œuvre, l'émotion était extrêmement forte et m'a marqué à, à tout jamais, à tel point que ça m'a convaincu de travailler dans cet art. Restons sur la remarque que je vous faisais. Vous trouvez que 16 ans, c'est tard pour découvrir l'opéra non, mais certains diront que parce que c'est très sexy qu'ils ont commencé à 5 ans. Moi, donc, j'ai commencé beaucoup plus tard. Et euh, euh, entre le maître chanteur et le deuxième opéra, il y a eu quelques années. Donc, y a, y a, donc voilà, je n'étais pas un habitué, un, un abonné. Euh, Ce n'est pas mes parents qui m'ont um, emmené euh, à l'opéra. Donc, c'était un ami qui m'avait dit, voilà, j'ai un billet euh, pour le maître chanteur. C'est qui ça, maître chanteur Et puis, je, je suis euh, effectivement euh, venu à l'opéra. Donc, c'est tard, oui, certainement. Et la, la porte d'entrée, là, c'était un ami, un proche, une relation. Oui. Troisième invité de France Inter jusqu'à 8h30. Il y aura d'autres gens dans notre studio jusqu'à jusqu 9h. Laurent Hénard, président de l'Association des opérateurs de France, qui porte cette opération tous à l'opéra. Alors, en quoi consiste-t-elle cette opération on ouvre les portes. 25 théâtres vont ouvrir leurs portes partout en France. Euh, L'idée de cette initiative, qui est européenne, hein, je crois qu'il y a près de 24 pays européens qui jouent le jeu il y a près de 117 opéras qui ouvrent partout. La France est le pays d'ailleurs qui se mobilise le plus sur cette manifestation. L'idée, elle est de manière très ludique de montrer ce qui a été dit, c'est-à-dire la magie de l'opéra. Donc euh, vous avez des karaokés, vous avez des quiz, vous avez des chorales improvisées euh, vous avez évidemment des ateliers où on peut se maquiller, se costumer vous avez des visites, parce qu'il faut montrer cette grosse machine il faut expliquer les métiers, il faut expliquer les talents. Euh, et c'est de dire deux choses aux, aux, aux Françaises et aux Français, voilà, votre place est à l'Opéra, c'est ouvert, on fait tout ce qu'on peut pour diversifier les publics, pour aller chercher des enfants, des gens qui ne viennent pas, travailler avec les associations. Puis une deuxième chose qui est de dire aussi que c'est précieux, on éteint vite la lumière, on a beaucoup de mal à la rallumer, et donc il faut comprendre, euh, voilà, les métiers, la difficulté qu'il y a à produire une œuvre, tous les talents qu'il faut assembler, le nombre de, de professionnels oui. qui sont nécessaires pour produire un spectacle. Euh, moi, je le dis souvent. Et tout ceci avez... est gratuit, hein, on précise. Ah oui, bien voilà. sûr, tout est évidemment gratuit. Il y a près de 100 000 personnes euh, qui vont fréquenter, je l'espère, les opéras comme, le, comme chaque année à cette septième édition. Alors, si une opération tous à l'opéra est nécessaire, c'est parce que ce n'est pas évident que les gens aillent à l'opéra, à l'opéra du succès, à la télé. On a tous un un Air d'opéra à fredonner, je voudrais demander à Jérémy Rohrer qu'est-ce qui se passe dans une salle d'opéra de particulier bah qui fait passe, que c'est hein. pas pareil qu'à la télé, qu'au cinéma, que dans un disque Il se passe une, une sorte de communion en fait, et, et surtout, moi ce que j'aimerais ce transmettre, c'est que comme Serge, moi je viens d'une famille de non-musiciens, ça m'est tombé dessus complètement par hasard. Quand, quand, quand j'étais enfant, adolescent, le, le goût en plus s'est développé progressivement. Et je pense que quel, quelque chose qui, qui empêche les gens d'y accéder, c'est l'idée qu'il faut avoir des connaissances, c'est l'idée qu'il faut, qu faut maîtriser une culture, c'est l'idée qu'on va être jugé si, si on ne comprend pas. Or, je, je remarque... Que, avec les années que l'émotion, elle est universelle. On n'a pas besoin de connaissances pour l'appréhender, pour l'apprécier. Quand quelque chose se passe, elle, elle est transmise immédiatement, elle est transmise à toute une salle. Et moi, c'est une chose que, que j'adore sentir comme chef, parce que je le sens de dos. Donc, je m'interroge encore <laughs> oui. sur, sur ce que c'est. Oui, absolument. On sent l'énergie d'une salle, on sent l'attention d'une salle. De dos, il y, a des, il y a des vibrations qui se mettent en place. Quand, quand une émotion est créée sur le plateau et ça veut bien dire que le message est universel il est palpable et il est, il est surtout accessible à tout le monde. c'est pour ça que ça, ça, ça me semble très important de ne pas avoir peur de, de ce monde de ce monde parfois codifié parfois c'est pas grave si on n'y connaît rien on absolument y va pas, et on se laisse aller absolument à l'émotion. pas absolument pas sans aucune connaissance on a parfois plus de, plus de justesse dans l'appréhension de ce qui s'est passé que, que les plus grands érudits. serge Dornier, quand je disais que vous avez fait de l'opéra de lyon un opéra populaire ça n'est pas une formule vous avez vraiment ouvert les portes de l'opéra à, à tous les publics comment comment vous y êtes pris comment voilà parmi les gens qui nous, qui nous écoutent ce matin j'imagine qu'il y a plein de gens qui aiment bien l'opéra mais qui n'y vont pas. qu'est-ce que vous avez fait vous concrètement à lyon? Bien, pour moi, justement, l'opéra, pour moi, c'est l'accessibilité à la mixité. C'est évidemment la qualité, mais c'est un point de départ. Ce n'est pas une finalité. Pour moi, c'est le rendre accessible et, et mixer euh, l'ensemble euh, des, des populations. Mais alors, comment on fait et justement, quand, quand j'écoute Jérémy et qui me qui dit voilà, l'opéra c'est accessible, c'est vrai peut-être que surtout un certain public l'a rendu à, un certain, à une certaine époque inaccessible. Mm -hmm. hein, en, 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 effectivement exigeant, il y avait une code, il y avait un code d'accessibilité. On était, on était éligible ou non à participer à une expérience d'opéra. Je pense que c'est important effectivement de, de dire ben, l'opéra, il n'y a pas de code, il n'y a pas une bonne façon, une mauvaise façon d'écouter, de vivre l'opéra. Et justement, moi, j'ai voulu euh, rendre à travers des dispositifs, euh, à travers des initiatives dans la ville, dans la cité, mmh. l'opéra euh, présent différemment. Euh, l'opéra à la fois une fabrique de rêves, mais aussi un centre de ressources pour la cité. Quand vous dites pas, pas de code, pardon de poser une question extrêmement concrète, <laughs> je peux aller à l'opéra de Lyon en jean et t-shirt, on ne va Absolument. pas me regarder de travers. Et de préférence. <laughs> oui, absolument. Il n'y a, a pas de façon, je veux dire, voilà, simplement, euh, on participe à une même expérience. Et je pense que, justement, cette mixité de public est, même, est formidable pour tous les publics, aussi pour les abonnés. Parce que, je veux dire, euh, Mais les elle gros... est réelle aujourd'hui, cette mixité du ah, je... public Absolument. Ouais. L'Opéra de Lyon, pour donner quelques chiffres, et je j'allais là. Ouais. Je veux dire, 25% de notre public a moins de 25 ans, hein, euh, 45%. Public... 50% à moins de 45 ans. Donc il y a une, une mixité d'âge et aussi sociale. Sur les moins de 25 ans, c'est intéressant, puis je donnerai la parole à, à Laurent Hénard. Est-ce que ce sont des gens qui reviennent? Oui. Qui viennent et qui ah, reviennent. Absolument. Euh, cependant, ce qui est important, le, le, le public, je veux dire, pour moi, ce qui est important quand on parle d'ouverture, c'est de faire beaucoup de spectacles, mais pas toujours pour le même public. Ouais. C'est justement de difficile. brasser et d'ouvrir au plus large cet opéra afin que plus de gens vivent l'opéra. Donc, ce n'est pas monopoliser. Par un public et ça et à Lyon c'est vraiment le fait. Laurent Hénard, l'opération Tous à l'Opéra cette année est, est placée sous le signe de la citoyenneté. Alors c'est un grand mot un peu abstrait, ça veut dire quoi concrètement appliqué à l'Opéra bah, D'abord parce que quand on parle par exemple de citoyenneté européenne, enfin, je pense que voilà, les airs d'opéra, ça fait partie des choses que tout le monde connaît. Et on, à la rigueur, peu importe que ce soit en allemand, en italien, en français, en anglais, c'est des airs, on les Il connaît. Il faudrait y pas. avoir verdi sur les, les billets en euros. Mais je pense, oui. Si le billet était sonore, ce serait parfait. Et puis, et puis surtout, ce qu'on a voulu dire, c'est que. Ce qui vient d'être dit, Voilà, les maisons travaillent depuis plus de dix ans maintenant avec des services éducatifs, avec les écoles, les collèges, les lycées, les associations. On va sur les campus, on sort dans la ville, on, fait, on, on sort des murs pour essayer d'aller chercher des publics nouveaux. Donc on essaye d'être à la hauteur d'un service public financé par des fonds publics. Et puis c'est aussi un message, mais qui concerne tout le secteur culturel, qui est de dire que dans ces temps de choix budgétaires, il faut être vigilant sur la culture. Parce qu'on arrête vite les métiers, on arrête vite les savoir-faire, on arrête vite les talents. Et après, on a beaucoup de mal relancez. relancer la machine. 0145 24 7000 franceinter.fr pour toutes vos questions à nos invités, vos témoignages sur vos expériences d'opéra pour dialoguer avec nos invités. Après la revue de presse, nous rejoindrons autour de la table Roselyne Bachelot, grande amatrice d'opéra et l'on parle très bien, et puis Gérard Courchel qui lui aussi en connaît un rayon. Gérard Courchel de France Inter.